pouvez le constater, je suis lavée, habillée. Mes cheveux ne sont pas faits, c'est pour une très 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 bonne raison. Ce que j'ai appris et ce que j'ai compris, c'est vraiment d'éviter de faire quelque chose qui pourrait me distraire avant d'avoir passé mon temps avec Dieu. C'est hyper important. Si tu te fixes l'objectif à chaque fois de passer ton temps avec Dieu à une certaine heure, ben fais-le, parce que c'est un peu comme si tu as posé un rendez-vous avec Dieu. Il sait qu'à telle heure, ben, ah, mon enfant et moi allons discuter, allons échanger. Et si tu fais, enfin moi ça m'est arrivé à plusieurs reprises, je commence à regarder une vidéo et puis après je me rends compte que j'ai pas regardé le vlog précédent, puis celui de la semaine dernière, et j'ai envie de regarder. Et après avoir fait ça, ben, je suis en mode, j'ai envie de rien faire en fait. Et voilà, si je peux te donner ce conseil-ci, ce tip-ci, ben, évite de faire tout ce qui peut te distraire avant d'avoir passé ton temps avec Dieu. Donc c'est ça. Raison pour laquelle vous voyez toujours en foulard. C'est bien, c'est vraiment transparence, à l'aise, hein, vous voyez un petit peu. Et avant de faire quoi que ce soit, de continuer la routine, je vais tout d'abord, je pense que je peux utiliser ce terme, déblayer mon Velux, parce que la neige là, ça va pas. Et puis bah, on se retrouve pour la suite de ma routine. J'ai un fruit ici parce que je mange après avoir passé mon temps avec Dieu, genre manger. Alors vous avez pu... c'est trop bizarre de venir ici comme ça. Bon, c'est la réalité. Donc comme vous avez pu le voir en début de vlog, d'ailleurs je diminue un petit peu. Comme vous avez pu le voir en début de vlog, je mets une instru. Alors ce que je fais, c'est que je me réveille avant... Bon, je ne l'ai pas filmé, parce que c'est un peu bizarre de filmer son temps de prière. Genre vraiment tout son temps de prière. Mais ce que je fais, je me lève, je regarde toujours l'heure. Et ensuite, j'échange avec Dieu pendant quelques instants. C'est pas forcément long, c'est pas genre la prière. Et ensuite, je mets une instru. Parce que au moins je sais que lorsque j'aurai terminé de me brosser, de me laver, de m'apprêter, quand je reviendrai, ben, je sais pas, c'est... Voilà, il y a une atmosphère qui est déjà présente et je sais que, ok, Gabriella, tu rentres dans ta chambre, c'est pas pour jouer. Ça, c'est mon cahier journaling, donc pour mes prières, écrire mes prières. Là, ensuite, feutre, bic, tout ce qui s'ensuit, une bible. Je dirais pas une bible d'études, mais plutôt une bible explicative. Toute cette séquence-ci, c'est des explications par rapport aux versets qui sont juste au-dessus, et c'est bien parce qu'il donne d'autres références. Ensuite, un cahier. Voilà, un cahier pour la méditation, prendre des notes, tout ce que voilà, le Saint-Esprit met à cœur. Ma Bible principale, dans la version Summer, c'est la Bible de la femme à son écoute. Voilà, il y a quelques temps, on me demandait... est-ce que les versets sont différents et tout ça, j'ai dit ben non, c'est juste qu'il y a voilà, ces petits rectangles roses que vous voyez qui donnent un petit peu des conseils, vie spirituelle, amitié, relation, encore quelque chose d'autre. Ce qui est bien, c'est que let's find it, on va prendre ben, ici là. Donc voilà, on parle de Rahab, c'est dans le livre de Josué, c'est une femme, donc on va prendre une page, on va expliquer qui était cette dame, qu'est-ce qu'elle a fait. Et voilà, c'est juste ça la différence avec la Bible normale, quoi. Et puis, j'utilise un plan biblique. Je médite ces derniers temps-ci sur Jean. Hosanna Revival. Là, c'est juste un genre de PDF. Ce sont des jeunes filles qui ont fait ça, qui sont à la tête de ce ministère. Et... donc, enfin des jeunes filles, des jeunes femmes, soyons précis. Et ce qui est bien, c'est qu'au-delà du plan biblique, elles expliquent
dans différents slides, comme vous pouvez le voir, c'est quoi la méditation, qu'est-ce qu'est la Bible, à quoi sert la Bible tout simplement, et puis quelles sont les questions que tu peux te poser dans ton temps avec Dieu, les questions que tu peux te poser lorsque tu lis un passage biblique. Et j'ai beaucoup aimé ça parce que déjà en français, moi j'ai jamais trouvé ça. Je trouve que c'est vraiment bien fait. En tout cas, elles ont vraiment, vraiment été inspirées pour ça et c'est juste super quoi. Donc j'ai deux Bibles. Pourquoi ? Parce que bon, la version Summer, elle est vraiment intéressante, elle est bien. Mais il y a juste certains points et certains sujets que je comprends rien. Je comprends R. Alors je prends la seconde Bible, je lis. Si je comprends toujours pas, je regarde un petit peu les explications qui viennent avec les explications qui accompagnent les versets. Mais j'aime regarder aussi différentes versions. J'utilise la Bible app, raison pour laquelle, et d'ailleurs seule raison pour laquelle j'ai ma Bible pendant j'ai mon téléphone pendant ma méditation, bien évidemment avec le wifi coupé. Mais la version en français, les versions en français que j'ai, c'est Louis II, Summer encore, Parole de vie et Second 21. Si vous ne trouvez pas, vous ne comprenez pas directement, ne baissez pas les bras. Cherchez dans une autre version, essayez de voir ce que ça dit. Peut-être vous comprendrez mieux le contexte ou peut-être qu'une autre version est plus adaptée pour vous, pour votre compréhension. Donc voilà un petit peu. Et je voulais spécifier quelque chose que je conseille également de faire, c'est de prendre juste quelques minutes avant de commencer la méditation, votre méditation, et recommander justement ce temps entre les mains de Dieu, lui demander de vous conduire, de vous diriger, parce que peut-être, bon, là moi je vais vous dire Jean, mais peut-être que le Saint-Esprit mettra à cœur de lire, je sais pas moi, Agé. Donc voilà, faites ça, c'est juste bénéfique pour vous, pour votre avancement, et puis ben, laissez le Saint-Esprit vous conduire tout simplement. Ne faites pas pour faire, mais faites pour bien cultiver votre relation avec Dieu. Voilà. So, me revoici, visage différent. Donc voilà la lecture de ce livre-ci qui s'appelle Einsfeet. Je crois que c'est Einsfeet. On High Places. Donc j'aime beaucoup ce livre parce que premièrement c'est un livre chrétien, mais un livre chrétien qui montre véritablement notre croissance avec Christ. Un très 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 bon livre. Je vais lire seulement un seul chapitre parce que je commence à avoir faim et mon but c'est de lire. Peu importe, minimum un chapitre, pardon. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de maximum. Donc là, comme j'ai faim et je sens la nourriture, je vais lire un chapitre et puis je vais descendre pour manger. Voilà, voilà, j'en ai terminé avec ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Le but de cette vidéo était vraiment de vous donner un petit peu quelques tips et conseils par rapport à la méditation, par rapport aux choses qui peuvent vous aider avant de passer du temps avec Dieu, ou ces choses que vous pouvez éviter de faire avant de passer du temps avec Dieu, vraiment pour garder le focus uniquement sur lui. Quoi d'autre ? Oui, quelque chose que je n'ai jamais... la réponse à la question que je vous avais posée. Du coup, ce sera deux worship et deux vidéos lifestyle face caméra. Comme ça, voilà, il fallait que je donne le retour parce que ça commençait à faire long. Mais voilà un petit peu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bye!